Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. On reprend notre Inferno qu'on a commencé hier. Voilà, on arrive au cercle des Cupides où on a apparemment croisé le père de Dante, mais en enfer. Et on sent qu'il ne nous veut pas forcément du bien, donc on va essayer de voir ce qu'il en est. J'espère que vous allez bien depuis hier. Pour ceux qui l'auraient raté hier, on a fini Metroid Prime 3, donc on a fini la saga Metroid Prime. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On reprend le jeu tranquille. Cet après-midi pour avancer, c'est vachement bien parce que c'est un bon jeu, mine de rien. Ouais, c'est un peu fort. Hein. Attention, image dégueu. Hop, mixeur de volume. Ouais, ça c'est bien. Ça, on aime ça. Je comprends pas pourquoi le son du jeu est aussi fort, mais bon, je vais baisser mon son à moi. Un problème de son sur ce jeu, c'est assez ouf. Bref, voilà, ça devrait être un peu mieux. On va vite fait quand même. Ouais, ça fera l'affaire. Allez, on va dire que ça fera l'affaire. Alors, du coup, on a évité un chaudron d'or bouillant sur notre tête. Vous l'avez vu, il y a quelque chose là-bas. Là, il y avait la mort. Mais on l'a pas vu parce que la caméra était un petit peu contre nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour. Qui es-tu? Tarpeia. Ah bah si t'as ouvert les portes, me pauvre. Non. Ça fait rien du tout, t'es mort. Voilà. Allez, salut. Alors, le plein de vie, oui. Le plein de magie, oui aussi. La porte, allez. Oh, d'accord. Ça peut tourbillol. Hop, tout le monde dégage. Oh, la petite parade dans le dos là. Allez, donc casse-toi. Ah,
Ah oui. Là, on avait des clients, là. Allez, on ouvre. Ah, j'ai frappé. Oh, genre il me touche le pied quoi. Ça casse pas. Voilà, ça dégage. Ah, des pièges de leader. Quelque chose m'échappe. Les portes sont alors pendant un temps limité. Ah, d'accord. Tant pis, on va commencer par ne pas aller là-haut. On peut pas sauter par-dessus les pics. Du coup, ça pète le combat, c'est ça? Ah non! On va en avoir sur le mécanisme. On récupère les pièces. La rame de 40 vient d'être améliorée, ça c'est bon. Vous êtes toutes les deux au niveau 2, donc plus 20 d'XP. Un pi est sacré pour les châtiments ou les absolutions, ça c'est bien. Mais please, quelle blague. On va attendre. Faut passer. J'ai tellement pas le temps, mais faut arrêter les blagues là. Je sais pas comment je peux faire plus vite. Oui, comme ça. En mourant, ça vient plus vite. Des fois le jeu était un petit peu rageant, hein. Des fois on manque de précision sur le timing. C'est un poil frustrant. On a même 3000 âmes avec ces pièces de Judas. Oh là là, mais c'est pas possible leur match. Hein. Voilà, c'est une chance, c'est ça.
Oui. Fou. Et c'était juste, hein. Alors, amélioration, on a 7000 âmes. On va monter quoi? Ça, je dis que je m'en foutais. Oui, on va prendre le combo max à la croix, ça c'est bien. Une nouvelle magie. Jugement sacré, tremblement sacré. Force divine niveau 2, défense. Ouais. Sagesse de Camille, droit chemin niveau 2, niveau 3. Protection divine. Ah oui! Dégâts réduits, on prend ça, c'est vachement bien. Mais encore. D'accord. C'est juste. J'ai entendu une voix d'un personnage, mais... D'accord. Accroche-toi, connard! Je savais qu'il allait se foirer, je le savais. Je l'avais senti qu'il allait pas y arriver au dernier saut. C'était. Je sais pas, c'était prévu. Alors, d'abord, je me sers mon verre de soda là. T'es gentil, t'es mignon, mais tu te calmes. Merci. Mettre au niveau 4, ça c'est bien. Mais putain, mais c'est vraiment un handicapé, hein. Super le décor, je vis des gens plongés dans une fange qui ont mis tout le monde sur la latrine humaine. D'accord. C'est de renvoyer un projectile pour voir. On peut tomber ici. D'accord, il s'en va. Il s'en bat les steaks. Voilà, meurt. Et on repart par là, d'accord. D'accord.
Ok. Donne des âmes. Enfin, même la vie. Une pièce d'argent de Judas, ben je prends. Hé, hey, coucou Mystery, comment ça va? Calme-toi, oui. Je me suis fait tuer. Bon, ça va. Le jeu est un petit peu frustrant de temps en temps, mais ça va. Je suis allé. Ah, mais surtout, le problème, c'est de se retaper tous ces trucs qu'on a déjà vu 14 fois sans pouvoir les passer. Ça, c'est un petit peu pénible. Au sens premier du terme, casse-couille. DPS, les chauves-souris de l'enfer là. Il faut vraiment sauter sur le côté, revenir, sauter, revenir. Et là, normalement, faut faire pareil. Ah, bah quand même! Alors, qui es-tu? J'y suis Fleurus, créateur romain de Juliette, responsable de sa cupidité qui dépose une sonde pour son intérêt. Oh, puni! Voilà. Voilà. Brûle en enfer. Et quand j'arrive bien sûr à le passer, il faut que je meure après. Ça c'est. Sur le saut de retour. Ça c'est très très bon, ça on aime. Hein. Ça on aime beaucoup. C'est. Du tout irritant. Non. Mais calme-toi la chauve-souris là. Alors, on recommence, on saute. On laisse passer, on saute. On saute, on continue. Et là, on saute bien, bien contre le bord, oui. Puni. J'ai dit tout à l'heure, hein, donc je recommence. Oh mon dieu. On a réussi. Est-ce que maintenant on peut réussir? Non, on peut pas passer au milieu. Mais au moins on atterrit là, c'est très bien. Et ici, et ici. Ouais, bon, ça fera l'affaire. Clac, choc. Ah oui, d'accord, ils sont balancés sec de nous. Voilà, c'est bon, ça dégage. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Ouais. Donc là, des hommes, ça c'est bien. Là, une pièce d'argent de Judas, c'est bien aussi. J'ai toujours pas su t'emmener, Miss Clary, donc je pense que le plus simple, ce serait qu'on parle avec Jean ce soir, s'il se connecte. Enfin, on va lui AMP. Pour lui expliquer du coup ton souci entre guillemets et qu'il puisse te répondre et te dire ce que tu peux faire parce que il pourra beaucoup plus te renseigner que moi sur ce que tu veux faire comme édition vidéo vu que c'est son boulot quoi. Alors ça c'est pas grave, on a le temps de faire ça. Meurt le mob, merci. On a ouvert la porte, mais elle va se refermer.
Va bien aller là, pourquoi je peux pas aller là? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là? C'est un mystère. Hop. Ah non, la porte se ferme pas. Ouf, alors on passe vite. Parce qu'il y a une cage qui se baisse, d'accord. Oh oui, un item. C'est bien, on aime les items, hein. Ça donne des possibilités, c'est sympa. Or gaspillé, qu'est-ce que c'est? Alors, chaque attaque réussie augmente l'énergie rédemptrice. 10, 20, 30%. Oui. Plus tard, on verra. Alors, porte. Voilà. Ah, une fontaine de santé, oui. Et une sauvegarde aussi. Ça c'est bien, hein. Ça, on aime beaucoup. Voilà. Il y a une fontaine de l'autre côté. Ouf. Splendeur de ce monde, oui. Avare et pratique 2-23. Ça, on va aller plus loin, donc... C'est toi qui m'as pourri la vie avec ta porte de merde, là. Hein, bâtard. Bien sûr, là, ça se ferme. Voilà. C'était facile. C'était pas facile, ça, par contre. Pourquoi? Ah, pas de soucis. Oui, je disais que j'ai pas encore reçu ton mail, malheureusement, et je sais pas pourquoi. Donc si jamais, je pense que le plus simple, ce serait que ce soir, c'était sur Discord, même maintenant, du coup, t'envoies un MP à Jim Record, qui puisse peut-être te donner une piste ou quelque chose, ou une solution, pour ce que tu veux faire comme travail vidéo, parce que lui pourra beaucoup mieux t'éclairer que moi. Oui, mais merde. Voilà ça, ici. Allez, à moi la bête. Mais ici. Combo. Oh, pour vite on se gave. J'ai bien trop compris qu'on met une peau dans le crâne pour aider à contrôler un monstre, mais bon. Ça nous sert bien, donc on s'en fout. Hein. Donc c'est utile, la logique, on s'en balance. On va bourriner B comme d'hab, hein. C'est l'un des seuls piliers du jeu, donc hop.
Voilà. On parle à Virgile après. Non, on va le faire maintenant. Tout l'or du monde qui se trouve sous la lune ou s'y est trouvé ne donnerait point le repos à ces âmes damnées. Comme paraissent dérisoires les luttes que nous menons au nom des possessions et qui ne font que raccourcir nos vies. Je n'en reconnais aucun. Ce sont là de vaines pensées. La piètre vie que menèrent ces ignorants les mène aujourd'hui à leur perte. Je vous rappelle que dans le cercle de l'enfer des Cupides, le troisième cercle. Hein. Alors je sais pas si les nymphes sont un cercle à part entière, j'avoue que j'ai pas rouvert le bouquin pour chercher. Hein. Je ne m'en cacherai pas. Mais justement, il me semble que non, il me semble que c'est une sorte de pré-cercle. Enfin... Donne item. Merci. Pièce de Plutus. Élargit la fenêtre d'enchaînement qui permet de danser avec des points de style d'augmenter le nombre de coups. Ouais, non, on s'en fout pour des combos. Je préfère la puissance et l'expérience. Pour plus de thèmes, plus de compétences. Après, on montrera ce genre de truc peut-être, mais là, tout de suite, on n'a pas besoin. Avant, ouais. Ah. Bon, c'est par là, mais. Ah d'accord. Ça commence par des boucliers, ça. Voilà. Montre ça. Allez, ça dégage. Ouais, parce qu'on est bientôt niveau 4, alors qu'en niveau 3,5 en sacré, il faut remonter un petit peu le niveau, quoi. C'est important quand même. Je suis pas trop grand, non, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas grand chose au niveau interface, ça sera une démo, c'est pas un JRPG donc. L'interface est suffisamment épurée pour que je puisse me trouver dans un bureau. Je crois que je monte la portée du grave aussi. Ça pourrait être pratique. Voilà. File. Ouf. J'ai peur de tomber, hein. Ah, vous voilà, vous, ça faisait longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh.
Ouais, mourez, mourez, c'est bien, mourez. J'aurais bien des calmes. Les PV, important les PV, très important. Voilà, mais on s'en sert pas. Alors, ici. Je suis tombé dans l'espace entre la plateforme et... Le seul, hein, le seul espace en plus, oui. On va laisser la fontaine pour après au final, c'est pas bien grave. Alors, ça c'est quoi? Oui, d'accord, on prend, c'est sympa. Une pile de cadavres qui explose, c'est toujours rigolo. Ah. Allez. Et genre, je passe à côté du Fiat, quoi. Allez, bim, puis dégage. Lui, il prend le tarif. C'est bon, c'est fini là? Merci quoi. Enfin, les mecs qui insistent, hein, les forceurs. Hein. C'est incroyable. Hein. Voilà, full life, on est bien. Il y a deux piliers. Donc il faut casser les deux piliers. Sinon ça n'a pas de sens. Ah ça s'arrête. Je dis ça s'arrête pas, faut faire un timing, tu sais. Il y en a un qui va mettre la suite et l'autre non. Bah non, je peux faire les deux tranquille. Si tout marche bien, oui, c'est la bonne.
Alors... Heureusement qu'il y a un éduire contrôle, hein. Sinon là, c'est la lave. Hein. Enfin, c'est l'or en fusion. L'or en fusion qui tue aussi, hein, comme la lave, y a pas de problème, c'est en fusion, ça fait mal. Oh oui, de l'XP. Je prends l'XP, c'est bien. Oh, une sauvegarde. Ah, qu'est-ce qu'on aime les sauvegardes. Hein. Avare et prodigue. Mal donnant et mal prenant. D'accord. Ok, ok, ok. Ça, c'est bon. On nous la porte. Qu'est-ce que cette femme pouvait bien trouver ? Ah, ils craignent pas la lave. Ah, ça c'est bon à savoir, ça veut dire qu'il nous faudrait une monture. C'est pas mal ça. C'est-à-dire que si on arrive à choper le contrôle d'un démon bestial, on va l'appeler comme ça, on pourra le faire marcher dans l'or en fusion sans prendre de dégâts, ça c'est pratique. Oh mais putain. Hey, salut MGS Man. Je joue à Dante Inferno. Un vieux beat'em all qui a quoi, 7 ans 8 ans par là. De... Qui était sur PS3 et 360 et qui était bien sympa. Malgré ses petits problèmes de FPS constant et compagnie qui étaient parfois droppés un peu. Il était bien chouette. Ne laisse pas Plutus, dieu des richesses, entraver ta route, quel que soit le pouvoir que possède ce loup maudit. Comment puis-je continuer ? Ton voyage te conduit là-haut, là où Michel tira vengeance de la fière rébellion. D'accord, super. J'ai peur qu'il n'y ait rien là en bas en fait. Ouais ! Ok, ça sent l'énigme. D'accord. Donc il y a des murs sur lesquels on... D'accord, c'est du feu. Pas de problème. Hop là. Calme-toi. Voilà. Oh merde, explosif, je t'avais pas vu. C'est que on est un, je fais un petit topo quand même scénario. On est un croisé en 1191 qui commet un péché de chair avec une esclave dont il a la garde parmi plein de prisonniers. Quand il revient chez lui, son père et sa femme se sont fait tuer et l'âme de sa femme est condamnée à aller à Lucifer parce qu'il avait fait vœu de chasteté entre guillemets, enfin vœu de fidélité vis-à-vis d'elle avant de partir en croisade. Et donc il doit traverser les 9 cercles de l'enfer.
pour récupérer son âme, enfin l'âme de sa femme. Et le truc, c'est que c'est une interprétation, enfin une réinterprétation scénarisée, action, de la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui est un roman poétique, moi j'appelle comme ça parce que c'est plus simple vu la narration, du 15e et qui est un classique de littérature mondiale, quoi. C'est vraiment une référence absolue. Et du coup, bah voilà, Visceral Games et Electronic Arts se sont emparés de la licence et, enfin, se sont emparés de l'histoire pour faire un jeu Dante Inferno qui est très sympa. Donc voilà. Et là, ouais, d'accord, ok. Je vais faire pause en plein combat. Meurs, 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 meurs. Mais alors vous, c'est vraiment les pires, hein. Voilà. Ouais. Alors il peut générer. D'accord. Ah mais ça un temps. Ça peut se régénérer. D'accord. D'accord, faut l'amener là-bas. Maintenant qu'on connaît les patterns, c'est pas grave. Il suffit de faire ça et c'est gagné. Voilà. Tic-tac-touc. Tic-tac. Touc-tac, touc-tac. Voilà. Papé Satan. Papé Satan à l'épée. Oui, bien sûr. La drogue, hein. C'est pas un mur auquel on peut s'agripper, ça? Je crois que non. Là-bas non plus? Pourtant, on dirait des murs praticables, hein, mais bon. Peut-être pas le cas. Déjà, on va se sauvegarder. Là, on a passé la plupart des temps de jeu, ce qui fait que la sauvegarde va aller progressivement vers le haut. Ça, c'est bien. Mais non, la porte est ouverte, ça ira mieux. Ah! Je crois que j'ai un. Ah oui! J'ai un bug de type affichage. Oui, d'accord. Il a pas chargé les chunks, hein. Ah oui, bah c'est mieux que le décor, putain. MDR. Le jeu qui fait non, je charge pas, c'est tant bien. Ah bon. La roue de fortune. Celui qui fit les cieux leur donna un guide qui transmet tous les biens vains depuis l'un à l'autre sang. Qui est donc cette dame Fortune qui tient les biens de ce monde entre ses mains? Ton savoir ne peut lui résister. Elle pourvoit, elle juge et maintient son règne. La nécessité la pousse à la rapidité. Comment est-elle perçue? Elle est souvent crucifiée par cela même qui devrait la louer. Joyeuse, elle tourne sa roue et jouit de sa propre félicité. D'accord. Un item, non, merci, tant pis. Nick. Je veux pas aller là. Je veux récupérer ça avant, merci.
Mec trop pressé, tu sais. Ouais, tout de suite, grappin, machin. Non. La roue de la fin. Ça prend moi. Putain, elles sont chiantes à le fusil. Ouais, alors non. Ah, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ah, des gourmands aussi. Le vomi. Là pour toi. Oh là là, mais ils sont trop rapides, j'ai jamais le temps de bloquer leur attaque. Mais par le feu, ça purifie, non? Toi, t'es gros et lent. Et tu vomis. Mais ça va, sinon. Ah ouais, mais s'ils mettent des explosifs, pas de copain, non. Oh boum, ce combo. Là-bas. Ah merde, on l'a tué. Merde. Oh là là, oh là là, mais quelle violence. Là on fait tout péter. Une solution. On récupère un peu de vie. Oh là là, mais c'est coup de gris. Ça m'en fout, hein. Oh, ça y est. Ouh. Viens là, toi. Hop.
Oh, mais genre. Mais je touche le truc qui est déjà au sol et ça me tue, mais c'est une blague. Ah oui, d'accord, faut passer sauter direct. Ok. On a l'info. Voilà, comme ça. Comme ça. Et on s'est passé sous la presse. Con de pigeon. D'abord ça. Oh! Je ne m'occupe pas en rien de la politique. Une des femmes de Marc-Antoine. Je suis une pauvre femme. Appelée la femme la plus avide de Rome. Ah Je ben, ne m'occupe punie. En rien de la politique. Non, toi, Pio. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, comme ça on passe niveau 4 en sacré. Ça c'est bien. Le plus important c'est de bien répartir l'expérience à un pied sacré pour utiliser les reliques que vous voulez. Après c'est compliqué de sortir des reliques qu'on veut quand on n'a jamais fait le jeu, vu qu'on les trouve au fur et à mesure. Et si on met beaucoup en sacré alors qu'on a beaucoup de reliques impies qui nous intéressent, c'est dommage. Mais là du coup ce qui est bien c'est qu'en répartissant équitablement on peut arriver à de bons niveaux quoi. Là, je suis quasiment au niveau suivant en un pied alors que j'avais du retard en sacré, du coup j'ai essayé d'être. On peut jouer comme ça, on peut jouer roleplay. Donc, toi t'es méchant, t'es puni, toi t'es gentil, t'es absous. T'es absous? Oui, absous, absous. En fait, il y avait un sol. Raté aussi. Mais genre, de l'autre côté là. Allez hop, ici. Le bras. La tête. Le pilote. Eh bien, se battre. Mais Jean. Avant t'arrives comme ton pote toi. Oh.
Voilà, on est où? Ça fait 2 minutes de casser les couilles. C'est toi descendez. Tiens. On est où le type? Ah oui, d'accord. C'est un mur praticable pour grosses bêtes. Ça, on aime. Sur 2 minutes les mecs. Oh qu'ils sont chiants maintenant. Tiens, mange. En plus ils sont arrivés direct. Voilà. Viens là toi. Tout seul hein. C'est moi le malin. Je te mange moi. Ah, une petite rampe, ça fait plaisir, ça. Je sais pas quoi en faire. Ah, faut le mettre là. Ouais, alors ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud quand même. Travers ? Oui, parfait. Ouf ! Le moment où ça marchait pas bah, à cause d'un pixel quoi. Qu'est-ce que cette femme pouvait faire?
Ah, ça fait tarif comme on l'a. Voilà. Tu as gâché ta vie. Oh là là, ils sont pénibles parce qu'ils perdent du temps pour leur animation pourrie. Hein. Après, il leur arrive ça, c'est nul. Avec une minute, c'est niveau 3, ça c'est bien. 30% de texte en plus. Alors, tu penses vraiment être meilleur que ton père? Je crois simplement que je ne vaux guère mieux que mon père. Alors, va-t'en d'ici, espèce de lâche! Béatrice ne mérite pas ça. Je ne peux pas partir sans elle. Eh bien, voyons qui est le meilleur de nous deux. Qui elle est? Mais qui il est? Wow. Donc on peut lui enlever son sacroix. Quel combat du coup. Lance. Et voilà. Sois maudit jusqu'à la fin des temps. Presque mort par contre, ça me... On a des os, hein. What? Mais vas-y! Mais les cercles qui dégagent aussi là. C'est un truc bien ici, ça fait bien plaisir ça. Ah
Béatrice, pour moi. Ouais, t'aurais dû, machin. Je vais peut-être améliorer pendant le combat, tiens. On va lui mettre les nerfs en plot. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bras de la mort. 2000 âmes, oui. Non. Armure divine. Non. Ah, on a débloqué quelque chose. Magie martyr. Non, 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 on va pas sacrifier des PV pendant le combat de boss, hein, ça va bien. Armure divine régénère de la santé. D'accord. Sagesse de Galien, courage de Brutus. Clairement, il faut arriver au niveau 5 dans les deux de façon à choper. J'ai du pouvoir, ouais, non, enfin. Moi, je préfère toujours aller jusqu'au niveau 5-6 en sacré pour récupérer de la vie facilement et monter le reste éventuellement, mais. Avoir niveau 4 en portrait en plus, ça c'est bien. On y est bientôt, ça c'est cool. Bah, du coup, on va garder de quoi acheter le porte-relique. Tu ne mourras pas! Es-tu vraiment un homme? Moi, je bondis jusqu'à la fin des temps! Tu m'as tellement déçu! Oh oui, des PV. Tu ne sais rien de l'enfer. Je te briserai. On paraît que non. Les péchés du père. What? Ok. Mais ces putains de... Tu ne sais rien de l'enfer. Ah, c'est une attaque de zone encore à quoi. Es-tu vraiment un homme? Mais please, tu vas être de l'arène, tu vas être des zones de combat, des dégâts quoi. Ah,
c'est pété. Je commence avec un tir de ma vie. C'est imparable. Voyons ce que tu vaux. Hors de ma vue. Tu m'as tellement déçu. Ah oui, d'accord. Mais lâche ça, mais lâche ces AO de mort là. Oh non, vas-y. Oh, c'est tellement frustrant qu'il ait autant de portée avec ses stocks de zone en phase 2 là. Putain. Changer de relique. Que de minos sur le haut max, ça c'est bien. On va prendre la bénédiction de Dieu. Voilà. Ça. Je trop calculer l'efficacité. Voilà, crève. Non, on va essayer de passer sur celle qui augmente les dégâts de la faux. Tu me déçois beaucoup. Tu ne m'auras pas. Mais vas-y, mais meurs quoi. Tu n'es pas mon fils. Oh
Voilà, voilà, tu meurs. Continue. Cache-toi derrière moi. Accuse-moi de tout ce qui t'arrive. Ton cœur n'est rempli que d'avidité et de haine. Est-ce là tout ce que tu peux m'offrir? Je ne suis pas responsable de l'homme que tu es devenu. Et je ne finirai pas tel un damné comme toi. La drogue. Il trouve un cachet vert, la drogue. Les péchés du père. Ah oui. Protège Dante et attaque les ennemis proches. Bah ouais. Bah ouais. Œil d'Aligiero. Plus d'infos. Alors, c'est quoi? D'accord, donc ça absorbe les dégâts. Et ça augmente avec les coups qu'on prend pour monter le niveau. Du coup, le niveau de la relique, d'accord. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis muté un court instant. Petit erreur de lecture sur le retour. Qu'est-ce qu'on met? Niveau 5, c'est le pouvoir, ça m'intéresse pas beaucoup. Non. L'XP, attaque magique, empoignade. On va remettre. La queue de Minos. Voilà. Ah bah la rame de 40 est à son maximum. Parfait! Full pex. Oh mon dieu. De la vie. Et enfin débarrassé de ce combat. Donne l'objet. Bourse d'avare. Allonge le temps pour faire une... Ouais d'accord. 30, 60, 90% de temps rallongé. Ah ouais. Hop, là on va sauvegarder. Je sais pas comment je fais pour mettre autant de temps. Sur les tiroirs précédents. J'étais moins loin qu'ici avec plus de temps. J'aurais dû être là. Bon, je pense du coup on a fini les cupides vu qu'on a battu le boss. Oh oui, pardon. Comment la ravagé lui. Allez, on la fout le ravage, on est arrivé, ah bim! Grosse croix de Montaras.
Ouf. Bon, ça se passe. C'était un peu dur ce combat, mais... Vous voyez l'importance du coup des reliques à utiliser en plein combat, à changer, faut pas hésiter à optimiser autant que possible. Hein. S'adapter au style de combat du boss et compagnie pour vraiment... pas trop se faire pisser dessus comme c'était mon cas, quoi. Parce que les 20% de dégâts, ça m'était bien utile au final. Alors, si... Ouais, je pense que c'est la fin du... C'est la fin du cercle. Il y a un truc là-haut du coup? Non. C'est juste pour nous foutre la pression. La colère, ah bien, toujours plaisant le nouveau cercle. Vois ici les âmes ayant succombé à la colère. Dans l'air chaud baigné de soleil, elles brûlaient d'amertume. Ici-bas, dans les eaux noires du marais appelé Styx, elles s'embourbent, rêvant de n'être jamais nées. Joyeux. Poète, serais-je vaincu? N'aie pas peur. Nul ne viendra nous barrer le passage, car grand est celui qui nous l'accorde. Ouais, enfin, quand même, j'ai pris quelques peignées depuis le début de l'aventure, mon coco. Ah, mais on n'a pas encore niveau 4 en impi. Oh. Je ne suis pas faite pour cet endroit. On va essayer de tomber, hein, ce serait mal vu. Oh mon dieu, je vais éternuer. Excusez-moi. Non, je vais te le faire. Ouah. Toutes les mains qui se lèvent quand on s'approche. Ouais, c'est la mort, hein. C'est la mort. Ok. Je peux faire. Attends, ça va. Ouais, là, t'es mort.
Mais lâche-moi, le moche. C'est bon, là, vous calmez? Merci, quoi. En colère, la salle de la colère, MDR, c'est tellement compliqué. Oh oui, nice. Ah, c'est très con ce que je viens de faire parce que du coup, je perds de l'XP. Ta femme fera une parfaite épouse. Hommes indignes, combien d'entre elles se prennent là-haut pour des rois qui deviendront ici-bas comme des porcs dans la boue, abandonnant derrière elles leur horrible mépris. Putain, c'est cool. C'est joyeux les enfers, hein. Y a pas à dire, on s'éclate. Quelle est donc cette tour au loin? Qui abrite-t-elle? Cri de Méduse. Ah, Méduse en général, c'est cool. Les dégâts causent plus de dégâts, niveau sacré 5 requis. Ah ouais, d'accord. Là-bas, sur les courbes fangeuses, il attend les âmes damnées. Cherche Flégias, le mari. D'accord. Ah, c'est les murs... Ah, ils sont vénères, hein. Je te briserai les reins pour te les faire manger. Meurs, vermine. Je te briserai les reins pour te faire manger. Oui, tout à fait. C'est sympa comme, comme programme, ça, pour les fêtes de Noël. Oh là là, j'en ai marre ce combo. Je vais jamais l'esquiver. Bah tiens, le prêtre. Purification d'un assassin. Les peuples de Bretagne me suivaient. Flagellé puis volé avec ses filles, la reine vengeuse des Nicénis tenta de mettre fin à ma fille. Absolution, la pauvre. Elle a tellement pris cher, on va pas la punir, t'es. Bon, j'aurais besoin de la punir, mais. On va voir combien on gagne d'XP bonus en faisant une absolution manuelle. Lui, s'il marche pas, c'est génial. Hein.
À la lenteur où ça allait, je peux pas le rater quand même. Ouais, 33. J'en ai perdu 3 quand même. Je suis déçu. Milium. C'est bien. Vois son royaume. 180 d'XP sacré. Ça, c'est cool aussi. Il faut quand même aller jusqu'à 4000 là, donc. Ouais, donne des PV. Donne-moi la force. Quatorze mille. Juste un petit peu pour nous faire chier. Hop. Relique instant, donc là il doit rester une magie, je pense, un truc comme ça. Force mentale s'en est loin, mais très loin de l'avoir. Regarde luxure, ah, bras de la mort. Ouais, là on le prend, ça en est large. Jugement sacré, sagesse de Camille. Défense, non. Force rédemptrice. Non, mais martyr, c'est mort, quoi. On va prendre ça. Ça, puis on va prendre. Ça. Il la mort, marteau du diable. C'est qu'on sait jusqu'au bout, ça peut être hyper intéressant. Claque retentissante. Je vais prendre ça. Et c'est tout. Ah d'accord. Allez, meurs.
que j'ai pris dans les... Je suis perdu dans mes compétences. Ah non, mais j'ai pris que deux. Ah, j'ai pas pris pied de la mort. Eh oui. Mais ça marche pas. Bah non, tu l'as pas acheté, connard. Bon. Voilà. Ok. J'ai failli attendre. Essayer de me vénère. C'est par là. Il y a quelqu'un. Oh merde. Bon, c'est une cinématique, donc on peut revenir en arrière sur le garde. C'est bien ça. Ça, c'est les croisades. Par cet acte sacré, votre père immaculé vous absout. Nous sommes venus ici pour tuer ces hérétiques. Nous sommes venus reprendre la Terre Sainte. Depuis quand leur vie valait-elle celle des chrétiens? Ouais, d'accord, c'était un mec vraiment vénère. Mais Écuve, reine de Troie, qui est déchue de son royaume, son âme brisée souffre de ténèbres, de l'enfer flagellé par les damnés qui l'assaillent de toutes parts. N'aurais-tu pas fait de même pour ta famille? Le royaume du ciel, magnifique. Élève-toi, esprit. J'aurais dû la punir pour faire monter mon XP, mais non. Moi, je suis un mec RP, moi. Elle a souffert déjà. Elle a payé pour ses crimes. Ça y est, on a enfin dépassé, donc la première sauvegarde sera dans la sauvegarde de stream. Ça, c'est bon, ça. Tendu de ouf. Vite, 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 vite. Voilà, c'est bon.
sais pas s'il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est quoi, Nick? Qu'est-ce qu'il y a ça, là? Ah ben non, faut aller jusqu'au bout. Tant pis. On recommence d'en bas, ouais. Bon, bah go, hein. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Il y a une vague d'ennemis, pas d'une, une. On peut avoir d'avance, mieux c'est. Hein. Hop, hop, hop. Ah d'accord, ça sert à activer ça. Bah go. Ouh. C'est passé. Viens, Nathan, donne. C'est sacré. Dante est timide quand je l'ai eu et excrément comme ceux des gourmands. Ah ouais! Oh wait, non, je l'ai acheté. C'est juste que je l'ai pas mis parce que je suis bête. Alors, qu'est-ce qu'on prend? À distance de Dante. Ouais, non, je peux pas l'équiper encore, ça non plus. Ça non plus. Lors de qui je peux leur gaspiller. Ouais, leur gaspiller. Chaque attaque augmente l'énergie rédemptrice. Ouais, ouais, ça c'est pas mal ça. Remonter cet item. C'est bien, l'énergie rédemptrice. Ça fait, on part sur les compétences qui augmentent la force. Mon fils, la cité qu'on appelle Dité approche, et avec elle, tous ses habitants meurtris.
Le feu éternel qui brûle en son sein fait paraître les mosquées vermeilles dans ce bas enfer. Les âmes des cercles au-dessus ne sont-elles donc jamais descendues jusqu'ici? Rarement, mais à une occasion, je fus jadis conjuré par Éricton. Peu après ma mort, elle m'envoya ici-bas retirer une âme du cercle de Judas. Et quel est ce cercle? Le plus bas, le plus noir et le plus éloigné du ciel. Je ne connais que trop bien le chemin. Ah, le cercle des traîtres, du coup, logiquement. C'est du là. Ah. J'ai toujours vécu dans la colère. Aujourd'hui, je meurs dans la honte. Un petit collègue qui se posait autour de Dante à Florence. Tous moi. Leur famille était rivale et Argenti dépouilla celle de Dante. J'ai toujours vécu dans la colère. Puni. Connard. Abomination. Tu m'as tout piqué quand je suis vivant. Je suis toujours vivant, toi t'es mort, bah t'es mort. Double peine. De Styx là quand même, hein. C'est... Tu manges, t'arrives de loin, toi. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais ah, je suis sur une tête de quelqu'un. Tu mens. J'ai pas réagi. Du coup, je me demanderai pas de traverser, j'imagine. Histoire que ce soit bien drôle. Ah non! C'est quoi ce titan de mort là? Quelque chose de lui qui va pas aimer qu'on s'approche à lui là. Ah! Bonjour! Yeah.
Ouais, salut. Oh, Béatrice et Lucifer, ça va les gars? J'arrive, hein, je suis sur le chemin. Il me semble que nous avons conclu un accord. Pourquoi Dante m'a-t-il abandonné? Je vous vois, hein, vous savez. D'accord. Oh non, pas les bébés. Mange le point. Ah ben un gourmand maintenant, carrément. Non. Lâche-moi, je t'ai dit. Ah ça, oui, c'est sûr, ça désenvoûte ça. Où ma vie? J'ai rien compris à mes PV là. Ils sont tous partis en vacances d'un coup là et... Je vais essayer de suivre mais... Je vais crever. Oh, le 1 PV quoi. Ouais. En fait, ce que je vais faire. Non, je vais garder ça.
Hop. Viens ici, voilà. Hop, hop, hop. Oh, t'as pris ta riche. Lui, il a tout pris dans la gueule. Ok. Ouais, ouais, laser de feu, c'est bien. Oh, mes PV. Ah, oh, je gagne tout parce que j'ai besoin de me régène. Hein. Voilà, je suis mort. C'est d'accord, ok, d'accord, c'est pas grave. On va recommencer, ça va bien se passer. Les PV vite. Ça m'a touché malgré tout. J'ai pas besoin. Alors, la rame de carreau, on va dégager, on va prendre des dégâts de la feu. Je sais que je fais l'XP sacré, mais je cherche pas l'XP là. Je cherche la régène de PV. Ah bah ouais, mauvaise idée de faire ça, c'est pas grave. Non mais je pense qu'il est sur le côté, il va tout droit. Absolution. Bonjour. Pause, parce que la télé s'est éteinte, donc je ne vois plus rien du tout sur le stream, j'ai plus qu'un retour, j'ai plus de chat, j'ai plus rien, et j'ai télécommande ici. Hop, voilà. Parce que du coup, on sacré là, c'est niveau 5, le porte-relique, oui. Et du coup, est-ce que... on ferait pas carrément ça, en fait, hein? Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. On gagne masse XP et on se régène, on fait plus de dégâts, c'est tout le bordel. Non mais non. Yeah.
Allez. Voilà. Oh là là, mais elles vont beaucoup trop vite pour qu'on puisse courir leur attaque. Enfin, mes réflexes sont en carton, mais... Moi, je n'y arrive pas à contre-attaquer sur leur truc, hein. Oh, festival, là. Voilà, régène de vie, la régène de vie. Oh oh oh! L'animation qui fait du bien. Et merde, raté. Bien, bien, bien. Recule. Ah, j'ai quand même ramené de la vie en punition, d'accord. Ah bah si on peut punir volonté, go. Ah bah si en punition on gagne aussi de la vie, clairement là... C'est que de minos, ça. On a combien en XP sacré? 3300... Ah bah on va continuer sur le sacré du coup, tiens. Comme ça, on va pouvoir acheter le deuxième porte-relique. Et on pourra les mettre en passif permanent. Ça, c'est une bonne idée, ça. Bon, par contre, là, je suis au bout du bout, hein, les gars. Donc, faut trouver quelque chose. Hein. Oui, une cinématique, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on va s'arrêter là, une fois arrivé à DT. Comme tu l'as fait, tu m'as livré à Lucifer. Elle a parié son âme que tu lui serais fidèle. Son indéfectible foi en toi était si touchante que je me suis dit, cette femme est faite pour moi. C'est à toi que je dois tout cela, mon ami.
Maintenant, laisse mon pouvoir prendre possession de ton âme. Consommons notre union et ensemble, nous gagnerons le paradis. Ne fais pas ça. La plus fidèle a perdu la foi. Le plus incorruptible a été corrompu. L'innocence véritable a cédé face au péché de l'homme, comme tant d'autres choses avant elle. Qui veut désormais me priver de mes droits? Sois pas deg, hein. T'as des boules? Tu veux chercher? Fallait pas les voir ailleurs. On m'en fait chier pendant 20 minutes à traverser le pont de bout en bout, il sert du colosse. Il est chiant ce mec, hein. Bon, c'est quand même super classe, faut l'avouer, mais... C'est moi qui contrôle la caméra, hein. C'est tant que j'avance, la caméra recule. Nous partîmes vers la ville, l'un d'une assurance sacrée, témoin de la cité. Putain. Je vis la vaste étendue pleine de pleurs et de tourments. Le feu crachait entre les tombes, les embrassant si fort qu'elles semblaient sur le point de s'abandonner. Il en sortait des cris si violents qu'il semblait venir de malheureux écrasés de douleur, épuisés, à jamais perdus. Il faut continuer à avancer, hein. Il y a un petit perso qui se déplace. Je vais vous montrer. Il est là, le bonhomme. Ici, là, au-dessus du curseur de souris, il y a un truc qui bouge. Là. Toujours. Et voilà. Moi je trouve ça sympa. Ah, c'est ça, Flégias le marin. Ok, le mec il peut casser ça comme porte. Porte de dictée. Ah ok, oui, ça c'est du feu. On va traverser la cité là, et dès qu'on peut, on s'arrête. Oui, il y a marcher sur un pont, et marcher sur un pont comme Flégias. C'est pas pareil, hein, c'est plus équitable ça, par exemple. Oh, tout vu sa taille. Voilà, j'ai pas le temps, moi je casse tout. Hop hop hop. Thank you.
Y'a des gens. Juste que le pont s'effondre en voulant tuer les mobs et que voilà, c'est classe, moi comme sortie c'est crédible. Comment je vais me sortir de là? Bah saute. Oui, ma foi, c'est une idée qui se vaut. Oui, ce IC, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais on se rappelle. Hein. Bon, mesdames et messieurs, on s'est arrêté à l'entrée de DT. Enfin, à l'entrée. On a passé le pont, quoi. 4h03 de gameplay, pile. C'est très bien. Voilà, voilà. Hop. DT, voilà. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Fait 2h15, c'est pas mal. On a bien avancé, on a fait les cupides, on a fait la colère, on a vu que notre chère Béatrice a succombé à le Lucifer. Donc voilà. Merci à tous d'être passés, à ceux qui ont parlé dans le chat comme Miss Cléry et MGS Man, à ceux qui sont restés plus discrets mais qui sont passés quand même, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Peut-être à demain, possiblement. Le matin, j'espère. Et puis, ah ben ouais, Milto, t'arrives à la fin, poteau. Eh oui, ça fait 2h15 que je suis là, moi. Ah ben ouais. T'as le replay au moins. Mais bon, demain... Non, ta gueule le jeu. Demain matin, je pense, je m'y remets. Au pire, demain après-midi. Et puis voilà. Merci à tous. Ciao, bye bye. Et bonne fin de journée. À la prochaine. Je peux quoi faire avec mon visage, moi. Ça devient n'importe quoi, les clignements d'œil, c'est débile. Bref. Ciao, bye bye.